Ce jeudi 23 mai, le présentateur de BFM TV, Maxime Swiatek, était l'invité du Buzz TV du Figaro. Il s'est confié sur les coulisses de son travail sur la chaîne de télévision. À quelques jours des élections européennes, les rédactions s'activent pour être au plus près de l'info. Les chaînes de télévision organisent débats, rencontres, à l'image de France 2 qui recevait ce jeudi 23 mai le duo Gabriel Attal et Jordan Bardella. BFM TV n'est pas en reste et organise le lundi 27 mai prochain un débat avec les 8 têtes de liste. Manon Aubry, LFI, Jordan Bardella, RN, François-Xavier Bellamy, LR, Léon Desfontaines, PCF, Raphaël Glucksmann, Place Publique PS, Valérie Hayé, Renaissance, Marion Maréchal, Reconquête, et Marie Toussaint, Elvie, seront donc les invités de BFM à 20h30 où ils seront interrogés par Apolline de Malherbe et Maxime Swiatek. Un changement de look pas passé inaperçu. Invité sur le plateau du Buzz Télévision du Figaro, Maxime Swiatek se voit poser une question. Il y a eu un petit changement de look entre cet avoué et BFM? Après avoir pouffé, il répond, j'avais un luxe extraordinaire à cet avoué, je venais à l'antenne comme je m'étais habillé le matin. Alors qu'évidemment à BFM, la veste est obligatoire, dit-il avant d'ajouter, pour la cravate, il y a eu négociation avec Marc-Olivier Fogiel. Il s'empresse ensuite de développer cette information, je peux ne pas la mettre. Parfois je la mets, parfois pas. Ça dépend de l'actualité. Parfois, c'est cravate obligatoire. Une petite blessure sur le tournage de Fort Boyard ce jeudi 23 mai, Isabelle Morini-Bosque expliquait dans PAF s'être légèrement blessée au coude et au genou sur le tournage de Fort Boyard. Une expérience qu'elle partage avec Maxime Swiatek. Ce dernier est revenu sur l'historique de sa blessure survenue lors du tournage, « La première épreuve que je fais s'appelle le torréfacteur, je fais l'épreuve à l'envers, sauf que personne ne me le dit parce que, ils sont écroulés de rire. Ils comprennent tout de suite que j'ai pris l'épreuve à l'envers. Je tombe, je me casse un orteil. Là, il y a un médecin sur le fort, je vais voir le médecin qui me dit, de toute façon, l'orteil, on ne peut rien faire, voilà un antidouleur et bonne journée. J'ai passé toute la journée avec un orteil cassé. Un peu plus tard il explique la suite des événements, on sort du fort, on rentre à Paris dans un minibus, et arrivé sur l'autoroute, je ne pouvais plus marcher. Depuis, le présentateur a guéri de sa blessure et se prépare pour la grande soirée de lundi durant laquelle les téléspectateurs le retrouveront, en cravate bien évidemment.